Le couvert végétal est arraché, puis cette terre nue recouverte de lait de géotextile. Le lait suivant recouvre le précédent de 20 cm. Ce géotextile est composé de fibres polypropylène enchevêtrées. 100 g au mètre carré suffisent pour une allée piétonne. Ce tissu laisse passer l'eau dans les deux sens, mais bloque la repousse de l'herbe ainsi que les remontées de matière organique, ce qui évite la boue en surface. Il est finalement recouvert par un sable au grain moyen, bien étalé avec ce râteau, et qui fait le lit de ces dalles de pierre reconstituées. On les aide à trouver leur place par un mouvement latéral qui les enfonce de quelques millimètres. La pose s'achève par l'étalement au balai d'un sable au grain plus fin qui vient affleurer la surface des dalles. Un arrosage final et la pose d'un faux gazon figent durablement le nouveau paysage.